Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode de 13 de Trine 2. Oh! Niveau? Niveau 1, 1 point, d'accord. Il est 14h44. Et on est dans la merde, là je suis dans la merde. Je commence à en avoir plus qu'assez. De quoi? De l'odeur? Non. De courir après un trésor disparu dans les égouts qui regorgent de ces choses. D'accord. C'est difficile. C'est super. Ça s'appelle en prendre plein les yeux, hein. Vague de merde. Ouhouhou! C'est quoi ce truc de ouf là? Ouf! Allez, donnez-moi de la vie! Donnez-moi de la. Oui! On dirait un des miroirs de Rosabelle. Ouais. Rosie, où es-tu? Oh. Isabelle? Princesse, revenez! Suivons-la. Bon, bah. Ouais, j'ai pas réfléchi, j'ai couru. C'est un de réfléchir. Désireux de sauver leur royaume, les héros furent happés dans un tissu d'intrigue et de mystère. En suivant l'ombre insaisissable d'Isabelle, ils traversèrent le miroir de Rosabelle. Au moment où ils franchissaient le portail, ils ressentirent un froid intense qui les glaça jusqu'aux os. D'accord, et juste au moment où je suis passé le portail, j'ai eu un gros frisson chez moi, IRL. Voilà, c'est nul, mais c'est dit. Je vous remercie d'avoir tué le roi des gobelins. Maintenant, veuillez me remettre le train. Même si nous le voulions, cela nous sera impossible. Il est lié à nous. Je vois. Votre sœur, où est-elle? Pauvre Isabelle. Sa magie a ensorcelé la forêt. Mais si vous me donnez l'artefact, nous lèverons définitivement l'enchantement. Non, nous allons vous accompagner et l'affronter ensemble. Je suis désolée, mais c'est impossible. Et nous voilà pris au piège. Les aventuriers ennemis des gobelins, enfermés dans nos donjons. Vous ne sortirez jamais, pas tant que je vous aurai sous les yeux. Tiens. Alors, rendons-nous invisibles. D'accord, je pense que ça va être facile du coup. Pas tant que je vous aurai sous les yeux. Juste pour regarder ce qu'il y a là-haut. Il n'y a rien, d'accord. Ah, mais où sont-ils? Ah, hop, d'accord, c'était, j'hésitais avec deux solutions. Où sont-ils passés? Tu sais direct où je suis quand même. Bon, ben voilà, la porte est ouverte. D'autres questions? Oula, oula, j'aime pas le, ce que j'ai vu dans le sol. Ah, je t'ai pas vu, toi. Ah, je t'ai vu. Aïe, aïe. Ah. Voilà, je vais
différemment. Hop, 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 hop. Ok. J'ignore où nous sommes, mais nous devons sortir. Oui, et découvrir ce qui se passe avec Rosabelle et sa sœur. Est-ce cette Isabelle qui fait pousser les arbres et les plantes chez nous? Pourquoi ferait-elle ça? C'est peut-être une méchante sorcière qui a perdu la tête. Mais c'est Rosabelle qui l'a enfermée quelque part. Pourtant, les princesses sont censées être belles et gentilles. Elles ne détruisent pas leur royaume en se disputant le pouvoir. Oh. J'ai eu un poil peur là. Ça va pas être évident là tout seul. Ah. Si je fais ça. Allez. Ah non. Ah merde, deux fois la même. C'est pas vrai. Ah bah non, merde, j'ai pas besoin de ça du coup. J'ai bien fait d'insister. D'accord, juste un « c'est rien en fait. Je regarde ce qu'il y a un peu plus haut. Je peux pas y accéder plus haut. D'accord. Allez. Ouf, je suis arrêté à temps. Bon, ça allait. Flimini.
Il était assez chaud. Bon. Comment on grimpe? C'est bon, ça glisse. Ah, je suis mort, d'accord. C'était la bonne technique, hein. J'avais la bonne technique, en fait. Oh. Je reviens par là, toi. Simplement. Hop, c'était ça que je voulais faire. Tac. Comme d'hab, on va faire le même. C'est quoi ce délire? Pourquoi je suis retombé comme ça? Bon, allez. Voilà. Question con, mais question très con. Oula. Non. Non, c'est pas vrai. Allez. Ah là, c'est plus facile en fait. Tac, je peux sauter. Voilà. Je sais pas ce que ça fait, mais... Bah... Ah. Oh... D'accord, j'ai compris. Lumière. D'accord. Hop, on va mettre un objet, on va baisser. Ah bah non, je peux peut-être le... Non, je peux pas. Ok, super. Génial. Flèche de glace. Ah, j'ai perdu ma bulle en plus. C'est ouvert. Non. Ah, comment c'est bâtard. Ok. On va faire le feu. Je préfère mon feu. Non. Bon bah... Oh, comment tu t'es fait défoncer? Enfin, pour tous, comment il s'est fait défoncer? Sans déconner, ça va être dur ça.
J'ai une idée. Pour après, on va voir ce que ça va donner. Non! Bon, on va essayer avec la charge. Allez! D'accord, l'abruti. C'est chiant, faut que je revienne par contre là à chaque fois. Allez! Voilà. Je crois que j'ai dû recevoir un mail. Waouh. Ah c'est cool, j'ai le truc au-dessus de moi pour me healer. J'ai encore un relou. Ah Pontus, allez. Voilà, allez. Boum. Voilà. D'autres questions? Non. Alors, non, j'ai quoi comme flèche? J'ai pas les bonnes flèches. Ok. Voilà, je vois pas le problème. Par contre, je sais pas comment passer là. Ah, d'accord, on peut pas. J'ai deux points. Ah, je tire trois flèches, deux flèches. D'accord, deux ou trois flèches. Super. Ah, je reviens là. Bon. Ah, faut que je pète ça déjà. Même pas, je peux pas. Ah oui, non, en plus, j'ai même pas les bonnes flèches. Je voudrais les flèches explosives. Voilà. Ah. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Rien. D'accord. Là, hein? Oh là l'abruti! Oh là 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 là! Sérieux, je l'avais pas vu! J'en ai marre d'être mauvais des fois! Ce bouton ne fonctionne pas. On dirait qu'il est coincé. D'accord, ah oui, il est coincé en effet.
Voilà. Allez. Oula. On se croirait de retour à la forge. Merde. Allez, explosez plus loin. Et moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 15. Ouais, en fait, on est loin d'avoir fini encore. Il reste pas mal de trucs. Bon. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Ouss.